Ok, on est de retour, là on est mieux normalement. Ouais, je pense, ouais, on est mieux, on est mieux. Normalement, on est mieux. Vous me direz. Alors, c'était appartement parce que j'ai oublié entre-temps. Cent six, 104, voilà. Allez, on cherche. 107, 106, il est là-bas, donc 104, il doit être par là. Miss Nader, I'm with the KPD. Mind if I ask you a few questions? Mrs. Excuse me? Mrs. Nader. All right, Mrs. Nader. What do you want? Ma'am, is everything all right in there? Are you in some kind of danger? You tell me, officer. I heard the alarms go off. Are the cleaners on their way? Are any of us safe? The lockdown seems to be a malfunction. I don't think we're looking at an outbreak here. Well, I'm sure the other tenants will be glad to hear that. But not you? No, officer. Not me. Have you made any calls in the last hour? No, I have not. Could you check your compass for connections? Somebody may have used it as a proxy. I don't have a compass. C'est quoi ces images à chaque fois? C'est genre là, c'est l'œil de la femme en fait. Elle peut pas parler à l'interphone comme tout le monde au lieu de faire des trucs comme ça. C'est abusé. Correspondante féminine. If you don't mind my asking, do you live alone? Yes, I do mind, and yes, I live alone. No spouse or daughter? Didn't you hear me? I said it was just me. Then why did you insist on being called missing? I'm a widow. My wife died many years ago, in the plague. Ah. No compass. I thought pretty much everyone had one at this point. Well, you thought wrong. I don't have any implants of any kind. Alors ça, j'ai du mal à y croire. Sorry to hear that. Is that why you don't have any implants? Yes. Want to see the scar tissue on my face and neck? It's quite an embroidery. The little monsters really outdid themselves. Or do I have to show you what's left of my arm? Would that satisfy your curiosity? Mrs. Nader, I'm just doing my job. Oh, yes, I've heard that one before. When the cleaners took my Laura away, one of them turned to me and said precisely that. I never saw her again. Not even the body. It's like she never existed. With all due respect, ma'am, you're not the only one who lost someone to the Phage. God knows I have no love for Chiron, but they're an easy target. Is this when you tell me how we're all to blame? That's not what I... That we brought it upon ourselves. Ma'am. That we deserved the Phage? Deserved to see our loved ones die? Didn't we? We jumped at the opportunity to meddle with our bodies, but we didn't ask ourselves what the price would be. Very inspiring, officer. And very hypocritical. Spare me the lecture. I will not be judged by some corporate goon. I wish you a good night. So long, Mrs. Nader. Helena Novak, it is. Le phage, là, le nanophage. Je pense que c'est... Parce que ça, apparemment, c'est lié à des mauvais implants. Apparemment, c'est un peu comme l'histoire de Deus Ex, où c'est que les gens augmentés sont devenus fous et ils ont attaqué les humains. Je soupçonne qu'il s'est passé plus ou moins la même chose, ou alors ils étaient contaminés ou un truc comme ça à cause des implants. Donc c'est pour ça qu'elle a perdu sa copine, parce qu'elle avait des implants. Et c'est pour ça qu'elle refuse d'avoir des implants, apparemment. Je soupçonne que ça soit une histoire un peu comme ça. Euh,
Ouais. C'est où 104? Cent six, 105 et rien du tout. C'est ça? Ah, il y a peut-être un autre couloir. Putain, la porte dans la gueule à chaque fois. Non, on est dehors. Il y a beaucoup d'effets visuels en fait sur l'écran, c'est un peu étrange. Parce qu'en fait on a la vue du cyborg, enfin du mec. Donc quand il bouge, il y a des effets. Je sais pas comment expliquer ça. Mais il y a des effets en fait dessus. C'est un peu étrange. Là c'est net. Et quand on bouge, c'est comme si c'était une caméra en fait, une caméra de surveillance qui bougeait. Là il n'y a pas de nombre, pas de chiffres. Wow. Putain, j'ai cru que c'était derrière moi, quoi. Par où on passe? Y a rien. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je viens de prendre? On n'a pas un inventaire? Faudrait pas prendre de la drogue aussi, là? Là, c'était une chaise. Okay. Bon, c'est pas par là. Ah, 104. Hey, you. I can hear you out there. Hey. What's wrong, sir? Oh, I heard this awful noise. What's going on? There's been a lockdown. A lockdown? No. Oh God, please, not today. Not today. Caution. Low synchronization. Administer synchrazine. Ah. Are you okay? Faut qu'on se drogue. Sounds like you're in pain. Oh, it's fine. I'm just. I got a condition. I'm waiting to have it fixed. Anything I can do? Sure, if you're an expert in corrective surgery. Sir, I'm wondering if you've seen anything suspicious lately. I haven't seen anything in over 40 years. Ah, that's your condition. I really don't feel comfortable talking about it. Fine, I won't waste your time then. Hey, wait, I did hear something. Quiet footsteps, deliberate, heavy breathing, angry, not hiding, hunting. Anything else? The smell. It seemed oddly familiar, reminded me of my childhood. Your childhood? Yes, my family lived outside the city with all manner of creatures. When it would rain, the smell would be similar. Ok. On sent vraiment la panique dans la voix du mec là. Je suis fan de sarcasme. Ah, c'est méchant. Okay. Pourquoi il y a toujours des pigeons? Faut se droguer aussi. Yes. Ok, cool. La drogue, c'est bon. Alors, à la recherche d'Adam, ok, fouiller l'appartement 104. Deux locataires de sexe féminin. Ok. Mais ouais, mais faudrait y rentrer dans l'appartement. Ah, mais non, c'est l'appartement 101, j'ai rien dit. J'ai cru qu'on était au 104 en fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Apparemment, ça marche pas. Ah, on va sûrement retrouver un cadavre encore une fois. Ah putain, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est. Oh la vache.
Ça va, mec? T'es encore en vie? Je pense pas. Ah si, ben putain. T'es coriace, toi. Don't be afraid. I'm here to help. Who did this to you? Il a quoi sur la gorge? Listen to me. The building's on lockdown. There's no way I can help you now. But I can get whoever's responsible for this if you help me find him. Ah, c'est dégueulasse. Don't try to talk. There's another way. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Activer la vision électromagnétique. Maintenez le bouton droit pour analyser un implant neural. Ah non, il va se connecter au mec. Amir Nowak a connecté. Subject approved. Commencing neural interrogation. Oh la vache. Ok, what the fuck. Ah. Bon bah c'est l'heure qu'on arrête le stream. Allez, c'était sympa, au revoir. Donc là on est quoi? On est le mec en fait? Oh. Hey baby, I'm home. Шмат мизганов подавца 1 миллиграммовый. Походно, бутылок равна как ясицене, что забана в медицине в целу замечательно в месячных гладких пшеводу покормового, друг жучевый, году мотовый. Шлемяна, она козя, запах. Окей. Ça rappelle beaucoup Layers of Fear. On va rentrer. Amir, is that you? Amir. C'est moi. Ah oui, elle vient de là, de l'eau. Hop. Ah. Ah, le bruit. Ah. Ok, j'ai plus de tympan, merci. Putain. On peut passer? Non, on peut pas passer. Il était quoi? Il était en prison, le mec? C'est pour ça qu'il marque les trucs sur le mur. L'eau qui s'arrête quand je passe. qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait? La fenêtre? Ok. Ça, c'est bien de prendre des acides. Moi, j'aime bien. Je kiffe. Ah, ça y est, on est à l'intérieur. Enfin, je crois. C'est le bordel. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, on passe par là. D'accord, ça marche. Avance. Cours, saute. Je sais pas ce que tu veux faire. Non, tu peux pas passer apparemment. Là, non. Caméra, câble, porte, on peut rien faire, on peut pas interagir. Y a quelqu'un ici. Des fois. Comment utiliser les glitches pour faire une ambiance? C'est ça. Comment on fait pour passer? Il veut pas avancer, mon mec. Je sais, je vois rien en plus, je sais même pas si. Ouais, faut peut-être se baisser. Ah, faut se baisser? Ok. J'ai l'impression. Ah. J'avais l'impression qu'il pouvait passer. Ah, des longs couloirs, ah, ça c'est bien ça.
Putain, les portes dans la gueule à chaque fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non! Ah non! Oh putain! Le pigeon quoi! Oh putain! Bon, on fait demi-tour. Oh la vache, qu'est-ce qui se passe? Oh putain, c'est Batman. Oh. Mais en quoi ça sert de faire ça? À quoi ça sert? 987, 209, qu'est-ce que c'est? Ok, la flèche elle dit là-bas. C'est quoi, Charlie Chaplin? Non. Ah! C'est quoi ça? Bah ok, on a une carte, je sais pas ce que c'est. Bon, c'est peut-être pas là. C'est très bizarre. Des fois, il y a une sorte de délai en fait dans les pas qu'il fait. Je sais pas si c'est fait. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui marche à côté de moi à chaque fois. Man, I told you not to show up during the day. Oui. c'est magnifique. Ok, j'arrête. Qui c'est qui parle? Qu'est-ce qui se passe? Oh putain! C'est quoi qui grogne comme ça? On peut pas. Oh la vache! Oh putain! Ok. C'était juste une télé. Ça va, c'était juste une télé. Oh non! Putain de bruit de merde. Vas-y, reprennent tous les clichés d'horreur, c'est pas mal, c'est bien fait. J'aime bien. Évidemment, on le suit, parce que pourquoi pas, ça a l'air d'être un tueur, mais... On voit que dalle. Par où on passe? Okay. Oh merde, c'est un... Ok, c'est en boucle en fait. Je pense que c'est une sorte de labyrinthe. Là-bas, du coup? Qu'est-ce qui se passe?
La porte à côté des poubelles. C'est celle-là? Ouais, c'est celle-là. Et après? La porte à côté des étagères. C'est ça? Avec la... Avec la... le petit tabouret. Non, c'est ça. Ok, sympa, on a trouvé comment... droite, gauche, tout droit, droite. Droite. Ouais, ça, c'était le début. C'est quoi ça? Avec la lampe. Avec la lampe à droite, c'est ça. Là, c'est quoi? Des disjoncteurs? C'est là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ok. Ok. Fucking slop again. It's called soup. Now dig in, it's not getting any better. Eh mais comment ça nous aide à résoudre le crime quoi? Sérieux. Est-ce qu'on peut bouger? Non, je suis complètement... Oh la vache. Oh putain. On va partir. Alors, bon, le mec, il s'est... C'était un prisonnier, je pense. Il s'est fait attraper. Maintenant, il est dans le convoi pour aller en prison, je suppose. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut bouger. Ok, maintenant il est en prison. Mais là on est en train de retracer toute sa vie ou quoi? Ouh la vache, qu'est-ce que c'est? Move. Move. Là-bas? Moi, je voulais juste voir ce qui s'est passé, genre, une heure avant sa mort. Pas toute sa vie, merde. Putain. Ok. Ok, il y a une baston dans la prison. Oh putain. Ça va me tuer les oreilles à chaque fois, les jumpscares qu'ils foutent. Toi chanceuse que ça ne commence pas depuis sa naissance. Fresh meat. You won't like the day. Putain, je peux pas me retourner. Now.
Ah. Des toilettes. Ok, c'était un drogué. Qu'est-ce qu'il a sur le bras droit? Fuck yes. Finally. Ah tiens, ça va être pire maintenant. Ok, on se casse. Oh putain. Oh la vache. Je comprends rien. It's hard to forget. Oh mon dieu, mais les mecs, mais qu'est-ce qu'ils... Ils étaient sous quoi quand ils ont fait ça? Underneath all your muscles and tattoos, you were like a big wounded animal, lost, alone. Hey, at least you knew what you were getting into. Yeah, I guess I did. Ah, on est en train de tomber. Ok, normal. Jacked Ink. Jack Tattoo. Ok. Jacked Ink. C'est marrant. Faut prendre des substances pour jouer à ce jeu. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait défoncé. In sickness, in health, forsaking all others. Ooh. To have and to hold from this day forward until death do us part. Any regrets? Non. Ils font un tatouage ou ils se marient là? Ça va te faire foutre la porte. Eh oh! Salope. Bon, le mec. Il était drogué tout ça, il a fait de la prison. Il a trouvé une femme, il s'est marié avec. Ok, pour l'instant ça va. Je voudrais voir comment il est mort. on est là. Pourquoi je peux pas avancer? Oh putain. Qu'est-ce que c'est que ça? On peut passer à travers? Non.
can do it. I know you can. Pourquoi c'est toujours des douches? Il y a quelque chose, il aime pas les douches. Ah, c'est là. Ouais, il y a des... Il y a eu... un avertissement au début du jeu par rapport aux lumières qui flashent et tout ça. Donc oui, si on a de l'épilepsie, faut pas regarder. De quoi elle parle? Je peux faire quoi? Genre arrêter la drogue? Ça serait bien arrêter la drogue. J'arrive pas à... Oh d'accord. J'arrive pas à tourner, putain de merde. Oh comment c'est chiant. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, qu'est-ce qu'on a appris? Pas grand-chose. Neural interrogation aborted. Subject expired during questioning. Emergency extraction procedures successful. Le mec, il est mort pendant qu'on était en train de faire ça. Putain. Drogue. Yes. Synchrosine injected. Strain level decreased. Ok, c'est l'heure de scanner. Lacération. C'est quoi ça? Inhalateur médical. Ah. Substance réglementaire. Réglementée. Okay. C'est quoi ça? Lousy ink. Probably got in prison. L'appartenance à un gang. Ok. Ah, ça on peut le prendre. Synchrosine. Refill. Sédatif illégal. Morphine. Some under the counter painkillers. The numbers on them might lead me to Amir's clients. Bah, prends-le, non? Ça, c'est quoi, ça? The cutting pattern matches the one from previous day. Ok, donc on a un tueur qui fait des lacérations à chaque fois, c'est très bizarre. Moi je pense un... c'est peut-être même pas un humain. Alors, interroger les voisins. Examiner la scène du crime. Trouver Elena Nowak. Affaire. Alors, client d'Amir. Ah oui, c'est ça. Fouiller l'appartement 112. Fouiller l'appartement 209. Oh, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Some strange looking here. Not human. Not animal. Structure génétique anormale. Qu'est-ce que c'est que ça?
Bon, là, on se rapproche du fait que c'est pas un humain, c'est quelque chose. C'est... Je sais pas, un robot fou ou un truc comme ça. Well, well. You must be Helen. What else are we hiding in here? Francis Left 4 Dead. Ok, cadre, on s'en tape. Carte à puce, stockage monétaire non enregistré. Un credit chip. Handy for storing off the great currency. C'est quoi ça, une imprimante? Ordinateur personnel, logiciel malveillant détecté. Genre c'est un cyborg de la police mais il fait aussi antivirus. C'est pas mal ça. Il sait détecter les malwares et tout. Nanophage and I. Oh la vache, la bande quoi. Pas l'air d'avoir autre chose. Cette vue, elle est putain de dark. Ah, on a fait ça. Ouais. C'est la sération, le sang. Ça c'est bon, ça c'est bon. Ça aussi. Je vais juste faire un dernier. Vérifier, non, il n'y a rien. Okay. Je pense qu'on est bon. Bon, bah, c'était bien sympa ce moment de bad trip là. Qui, je sais pas si ça a vraiment servi à quelque chose. Chiron Corporation ID. Low level clearance, but still valid. Tu veux pas la prendre avec toi? Ok. Leaving the crime scene. Pursuing the lead. The victim's wife could still be in the building. Maybe the neighbors know something. Ouais, les tiges d'acier dans le crâne, apparemment, ça a l'air d'être une bonne coupe de cheveux, ça. Ok, alors. Trouver Elena. Alors. Client d'Amir. Je crois que j'en ai vu. Mange-rêve. Le mange-rêve. Putain, c'est comme ça qu'il appelle son truc quand il plante dans le cerveau, là. Putain, c'est dégueulasse. M'a montré des images d'un salon de tatouage. Je crois que j'en ai vu un dans le coin de l'immeuble. Dans la cour de l'immeuble. Ok, on verra ça. Putain, on a beaucoup de choses à faire. C'est un peu le bordel. Alors, le client d'Amir fouillait l'appartement 112 et 209. 112 et 209. Faut monter encore à l'étage, je pense. Qui c'est qui me balance des bouteilles de lait? Merde, on a loupé le 112? Ah ouais. Bah, c'était pas là. Bah, c'est là, peut-être. 112. C'est très bizarre. Là, il n'y a plus rien de... d'électronique, c'est étrange. J'ai aussi l'appartement 106. Oh putain. On va passer notre temps là-dedans. 112, 206. Affaire 400. Cherche Adam.
Scène du crime. Bon, pour l'instant, on fait 112. Neuf, 110. On l'avait pas fait ici? Ah non, c'était dans le rêve. Oh la vache. Ok. KPD, I need to talk to you. Look who's here. The leech that's been skulking around the building. News travels faster than shit. If you know where to look. Is this where you tell me you got eyes up my ass? You ain't that pretty. Besides, ever since the lockdown, I've been kind of busy. Okay, smartass. Tell me, why am I still standing here? Okay, Slimeball, you found Amir's little stash and the fucktard used our names on the merch. Close enough. Apartment numbers. Oh, busted. Let's call for backup. Oh, wait, you tried that already. Screening my calls, are you? Why don't you take a break and go heck yourself? Officer, please. What you're talking about is highly illegal. Not to mention unethical. Let's just say, I'm a concerned citizen with a very particular skill set. Il fait trop le malin, lui. How about you put those skills to work, lifting the lockdown? Hey, I'm good, but I'm not that good. This is some heavy old school encryption. I tried to brute force it, but it's like shooting toothpicks at a brick wall. In the meantime, I've been scanning the internal network for signs of the AA glitch. The what? The AA glitch, you know, the algorithm that makes the nanites go berserk on their own host, as in why nanophage happens. And? Nothing so far. Well, hella fucking luya. Look at you, an optimist. All bets are off until I finish my scan. You know what? The way things are, you're wasting my time. So I'm letting you off, though. Really? I mean, great. You know, for a leech, you're not a half-bad fucking guy. Alf. Alors, fouiller l'appartement 209. Ça marche. Par contre, il va falloir... merde. Ah, bah non, c'est bon, on est là. 209. Encore des pigeons, putain. Ah. Je sais pas où je vais, je visite. Erk. 209, on y est presque. Yeah! KPD, I need to ask you some questions. What's your name, boy? I like to know who I'm speaking to. Daniel Lazarski. John Bukowski. Good to meet you, Daniel Lazarski. Same here. Tell me, Daniel, that rumbling I heard, was that a lockdown? Yeah, it was. We're trying to rule out the phage. Doesn't seem to bother you. Il est en train de crever, le mec. Are we having fun or what?
I know you're from somewhere. The name rings a bell. Lots of people used to know me. Back when I was in the ring. Hang on. You're the champ. Bulldozer Bukowski. What's left of him? I used to be able to crush a man's skull with my bare hands. Now I can't even wipe my own ass. What's wrong? What happened to your ass? Time happened. The corporation happened. My retirement happened. C'est magnifique de parler à quelqu'un qui est en train de mourir comme ça. Don't choke on me yet, champ. Tell me what happened. Oh, after my contract ended, I had a hot date with the repo man. They stripped you down? That would have been illegal. They gave me an option. Could have kept my mods. It was only gonna cost me $2 million a year. I get it. Back to bare basics. Ouais, ben. Must be tough to go on like this. Yeah, but I can't just give up. Not in my DNA. I suppose the drugs helped you out a little? Hey, I ain't no fucking junkie. You got that? You know what I got? You get your painkillers from Amir. Who? Come on, I found a big stash with your name on it. No need to who me. What the hell? Yeah, he brings me stuff sometimes. Well, that's too bad, because he's dead now. I gotta go. Oh, whoa. Hey, hold on, Lasarsky. What did you say? I said I gotta go. No, before that. You said the kid's dead. Damn. There goes my discount. Any idea who dead have been? I was hoping you could tell me. Ain't got a clue. All right, champ. Hang in there. Yeah, fuck you too. Fuck you too. Alors, trouver Elena Nowak. Ça, c'est pour le salon de tatouage. Ça, je pense qu'il faut qu'on le fasse encore. Faut qu'on continue, je pense. Interroger les voisins. Examiner la scène du crime. J'ai peut-être pas tout trouvé, en fait. Merde. Je pense que j'ai pas tout trouvé. Ça fait chier, par contre. Oh, il est là, le tatou. Le tattoo shop. On va y aller. Enfin, si on peut sortir. Yes, on peut. Putain! Il y en a des pigeons, hein. Vache. Bonjour, je voudrais un tatouage. Ouais, c'est super glauque, c'est bien. Y'a personne. Je...
C'est une tuerie, j'en veux un aussi. Je vais voir ce que tu fais, mec, ça déchire. Putain, on dirait les commentaires que je me prends sur mes vidéos. Venez, c'est ça, vous êtes... Vos anciens clients m'ont parlé de vos tatouages spéciaux. Les haut de gamme. Vous voyez ce que je veux dire. Mon fils aimerait en avoir un, en fait, il en a besoin immédiatement. Je sais que le prix est élevé. C'est bizarre, ça. Des tatouages haut de gamme. À quoi ça correspond? Soyez tranquille. Ok. Cool. Ah tiens, c'est pas le... Merde. C'est pas le tatouage du mec qu'on a vu. Est-ce qu'on peut le scanner? Non, on peut rien faire. Yes! Niveau 4. Alors, faut récupérer... Oh la vache. Oh merde. Oh merde le con. Faut jouer. Ah non, je suis bloqué là. Ah, je me suis bloqué comme un con. Il n'y a pas à retourner? Non, enfin, recommencer. Même Windows 8 offre mieux. Alors, on prend celle-là. Ça fait 3. Là, il en resterait plus que 3. Ouais, non, c'est pas bon, là. Faut que je le fasse, faut que je le finisse. Alors, si on prend... celle du bas. Celle-là... Ah, mais là, je vais pas pouvoir. Là, on en a tué 3. Merde, comme con. Ok. Si on fait ça. Hop. Voilà. Ok. Et là, faut récupérer le reste des araignées, en fait. Mais là, elle va me bouffer, non? Ouais, là, elle va me bouffer. Ok, peut-être qu'on n'a pas besoin de tous les tuer aussi. Celle-là. 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 Et après, on est... Après, on est obligé de les tuer, en fait. Putain, je vois pas comment récupérer tous les... tout l'argent en fait. Je prends l'épée. Je ramène cette araignée. Je peux ramener... Enfin, celle-là. 1, 2, 3, 4. Après, il y a ces deux-là qui restent. Ça, c'est un problème. Autre chose.
Ah ouais, non, là, il faudrait prendre l'épée en premier, en fait. Bon, je vais essayer encore 5 minutes, puis après, si j'y arrive pas. Ok, maintenant, on va prendre l'épée. Ah, quoique non, ça va me tuer. Comment je fais ? Si quelqu'un a une idée dans le chat. Hein. Ou alors je prends celle-là d'en haut. Il en reste plus que 3. Est-ce qu'on peut prendre les 3? Enfin non, il faut pas tuer les 3, il faut surtout récupérer l'argent, c'est ça le truc. Je peux attirer. Je teste encore une fois, puis après on va mettre une petite pause pour laisser le chat dire ce qu'il pense. Si je prends celle-là, je... Non. Ah si, peut-être. Celle-là, elle va me tuer, donc on passe comme ça. Là. Ah, je crois que j'ai bon. Ah, on est bon. Et voilà. Trop fort. Ok. Midway upon the journey of our life, I found myself within a forest dark. For the my timing is really off today. Poor Helen. Lazarski, 656210. We have a third victim. Time of death, about an hour ago. Starting forensic analysis. Le mec, il arrive tout le temps. Ah non, on peut se connecter. Ouais, non, on fera ça après. We got a match. So you call the dead man in Adam's apartment. Blood is mixed with ink. Elevated hormone levels. Oh, fuck. The killer used the tattoo machine as a murder weapon. Multiple puncture wounds, a few inches deep. Eh ben.
Je sais pas ce que je suis en train de faire. Excuse-moi, je passe. Qu'est-ce que c'est que ça? Adapteur électrique. Hollowing injector. C'est pour injecter quoi, des hologrammes? Voir un peu ce que ça dit. Strahan, mais le tueur est arrivé avant moi. Interroger les morts va à l'encontre du protocole, mais je dois découvrir ce qui s'est passé. Ce qui se passe ici. Ok. Bon, avant qu'on... Petite pause de 2 minutes avant qu'on plonge dans le cerveau de la morte. Je reviens tout de suite.